aujourd'hui c'est notre dame des miracles, alors oui. Votre chevalier, priez. On a prié la Vierge et après on a fait la messe. Je suis capitaine des chevaliers depuis l'âge de 15 ans, et j'ai 78 ans. Je crois que l'année prochaine je serai chevalier. Et là tu es habillé en quoi? Comment? Porte-crosse. Quel est ton rôle? De fermer la marche. Alors pour moi, ça a toujours été très, très important. Enfant, mes parents m'y amenaient. Et puis en grandissant, j'ai été chevalier de Notre-Dame. Pendant 2-3 ans au moins. Il était très cher, et mes parents aussi, bien sûr. Il y a 2 ans qu'on n'avait pas pu le faire, avec le Covid. Cette année, donc, on a pu sortir la Vierge. C'est très important pour les Mauriacois de pouvoir accompagner donc, cette Vierge vénérable, qui compte beaucoup donc, pour ceux qui suivent la procession, mais aussi pour ceux qui la regardent passer. Il y a beaucoup de gens qui sont sur les côtés, à leur fenêtre. Ça a un sens pour eux, ça compte. Le culte marial est très, très ancré dans le Cantal. Il y a beaucoup de sanctuaires. Et la Vierge a une grande importance dans la vie chrétienne. Puisque c'est elle qui a donné Jésus, qui l'a apporté au monde. Avec les jeunes générations, nous devons leur apprendre à jouer à qui perd gagne. Ou dit autrement, à jouer à qui donne réussit sa vie. Marie est Notre-Dame du don. Je pense que c'est les jésuites qui ont imaginé, donc ça a participé beaucoup les enfants. Alors ça c'est très important parce que ça fait venir aussi les parents, les familles. Ils sont très fiers que leurs enfants puissent être bergers ou anges ou chevaliers. Ouais. Je crois que c'est bien de le transmettre. Aux tout petits, aux enfants, tous ceux qui viennent la prier cette semaine dans le sanctuaire. Il faut perpétuer la tradition.